demander le programme de votre vendredi des fêtes. C'est la journée de la jeunesse, avec de nombreuses animations qui vous attendent. De 13h30 à 17h, retrouvez les défis de la Midouze sur les berges. Des animations ludiques et gratuites pour les 17-20 ans qui sont proposées par la classe des 18 ans. Ventriglisse, bulle aquatique, bubble foot et de nouveautés cette année. Venez nombreux. Montois, Montoise, étrangers de la ville, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre charmante ville aux Trois-Rivières. Le programme de demain, à 11h, aux arènes d'Oréo de Salon. La Peña Julien Lescarré invite les enfants à venir découvrir ou pratiquer le Toreo de Salon. Juan Bautista, Thomas Dufault, Emilio de Giusto seront présents pour initier au Pichun l'art de la tauromachie. Cap et Muleta seront prêtés pour l'occasion. C'est gratuit. Venez nombreux. À 12h15, c'est l'heure de l'Ensiro. Avec la ganaderia d'Argelos, les personnes majeures pourront courir devant les vaches entre le boulevard de la République et les arènes. Les curieux, eux, resteront derrière les barrières. À 15h, initiation à la course landaise, cette fois-ci avec David Laplace et la Fédération française de la course landaise. Ça se passe au Campo de Feria sur l'esplanade des arènes et c'est gratuit et ouvert à tous. À 18h, troisième corrida de la Madeleine avec 6 taureaux de la Quinta pour Juan Bautista, Emilio de Justo et Thomas Dufault. La billetterie au guichet des arènes sera ouverte de 11h à 22h. Puisqu'à 22h, c'est au tour de la corrida portugaise avec 4 taureaux de la ganaderia du Lager pour João Teles et Oscar Borras Pisa avec les talentueux Forcados Amadores da Chamusca. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes à la Madeleine et on vous attend en place à la mairie à la bodega des pompiers. Yeah. Olé ! Tout un programme donc pour cette troisième journée où nous vous attendons nombreux. Belle fête à vous et retrouvez le programme détaillé sur les fêtes sur l'application Fête de la Madeleine et sur le site internet fêtemadeleine.fr.